Vos Excellences, Madame, Monsieur, donc à l'occasion de la tenue de ce forum, la délégation burundaise est honorée de prendre la parole pour vous présenter son expérience et bonnes pratiques et ses aspirations en matière d'éducation équilibrée et inclusive. Nous remercions d'abord... Education. I would like to thank the President of Djibouti for inviting us here, as well as the President of the Education Relief Foundation. We work under the government of our head of government via recommendations on education. We also focus on other regional players and associations to which Burundi belongs. We strive for inclusive education for all. We are inspired by international policies to plan our education. At a sectorial level, the Minister in charge of education, together with other stakeholders, develops educational plans and training that we use and that we act on via concrete actions. The Minister in charge of education focuses on children's education as well, but also Indigenous people's education, as well as people with different religions. We then, unfortunately, are sending too many graduates outside of our country. That's why, since 2012, those who have passed national competitions are given access to secondary education. We then try and keep them in the system. Among our plans, we have adapted laws orientated to our goals in this regard, which allows for our children to have easier access to education, especially Indigenous peoples. Peoples of Indigenous backgrounds. Millions de francs burundais à l'organisation Unisono pour la promotion des batois afin qu'elle puisse payer le minerva des élèves, d'autres efforts pour la promotion des peuples autochtones en leur intégrant effectivement dans la société burundaise sont prévus dans la constitution du Burundi. Ils reçoivent aussi un soutien de la part du gouvernement pour leur intégration dans les institutions internationales pour les peuples autochtones. La création d'une ligne budgétaire pour appuyer cette catégorie d'enfants à besoins spécifiques, une ligne qui se voit augmenter chaque année. La création d'une cellule éducation inclusive au sein du ministère de l'Éducation. Maintenant, la construction des salles de classe permettant une mobilité des enfants vivant avec un handicap physique. La dotation des encadreurs avec des compétences sur le langage des signes pour les sourds-muets et l'écriture braille pour les malvoyants. Le renforcement des capacités des enseignants qui pressent dans les écoles qui accueillent cette catégorie d'enfants sur les pratiques de prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Nous avons aussi construit un centre à éducation inclusive, une école qui organise l'éducation préscolaire à l'éducation post-fondamentale, c'est-à-dire la fin du secondaire, donc cette école est opérationnelle. Nous célébrons aussi la Journée internationale des personnes handicapées, et rehaussé en général par la plus haute autorité du pays. Nous célébrons aussi la Journée internationale des peuples autochtones et tous les enfants de l'école fondamentale, c'est-à-dire de la première année à la neuvième, ont une couverture médicale et nous avons aussi introduit les cantines scolaires pour réduire le taux d'abandon, surtout des filles. Excellences, Mesdames, Messieurs, le système éducatif burundais enregistre de bons résultats en termes d'accès à l'éducation. Nous avons passé d'à peu près 80% à plus de 113%. Néanmoins, tout n'est pas rose.
Le chemin est encore très long dans cette démarche vers une scolarisation universelle, comme pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. L'éducation équilibrée et inclusive en souffre le plus pour plusieurs raisons. La formation initiale des enseignants à tous les niveaux, qui n'intègre pas encore les aspects d'une pédagogie différenciée pour faciliter l'éducation des enfants à besoins spécifiques. Les équipements et le matériel scolaire à coûts très élevés et inaccessibles sur le marché local. La non-sensibilité des organes de prise de décision pour en faire une priorité dans les planifications et les financements. L'inaccessibilité d'emploi accentuée par le taux de chômage pour les autres catégories de diplômés. La discrimination due aux croyances d'aveugles et à l'ignorance des parents qui prennent encore cette catégorie d'enfants comme une malédiction dans les familles, pour n'en citer que les quelques-unes. Excellences, Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Burundi se joint aux autres gouvernements pour la réalisation des ODD, en particulier l'ODD 4 et l'éducation d'une manière globale, en est sa priorité. En témoignent les efforts du gouvernement à travers la sensibilisation des communautés pour appuyer les constructions scolaires. L'allocation budgétaire est assez importante. Plus de 35% du budget national est alloué à l'éducation. Nous nous sommes engagés à promouvoir le dialogue sectoriel. Les partenaires éducatifs réunis autour du groupe sectoriel éducation poursuivent leur mission d'appuyer techniquement et financièrement les efforts de notre gouvernement. Des proverbes kirundi traduisent la force des efforts réunis pour dire que nous confirmons notre volonté de nous joindre au monde entier pour asseoir une éducation de qualité tout au long de la vie et ensemble nous vaincrons l'ignorance, l'oisiveté et la pauvreté des apprentissages. Vive l'éducation pour tous, que Dieu vous bénisse, je vous remercie.